Michael Bublé et Bryan Adams à top 10. Maintenant, on va passer quelques minutes avec Martin Deschamps. Ben, juste quelques minutes parce que tantôt, tu vas revenir faire deux chansons, entre autres « Quand ». Quand, qui était ton premier succès. Premier succès. Et aussi, on va parler de tes différents projets. Mais là, on t'a surtout invité parce que la semaine dernière, en jetant un coup d'œil sur ta page Facebook, tu présentais un clip qui a pour titre Oxygène, que tu as fait avec un groupe qui s'appelle Aero 9. Et c'était la semaine contre l'intimidation la semaine dernière. Oui. Et tu as décidé de t'impliquer là-dedans avec la chanson. Oui, bien, la chanson se prêtait à ce sujet chaud. Parce que, écoute, Oxygène, c'est une chanson qui s'adresse justement à ceux qui ont des chaînes sur eux autres et qui se sentent opprimés ou en tout cas qui se sentent victimes d'intimidation. Et on offre des solutions. À la fin, il y a les numéros de téléphone de Jeunesse J'écoute, Gay Écoute et Mira, trois regroupements qui sont mis en avant-plan dans la vidéo, évidemment. Mais ce que je trouve particulier, c'est que habituellement, quand on parle de l'intimidation, on voit jamais des gens qui s'en sont sortis. Et là, dans le clip, voilà, là, vous avez un message d'espoir parce que vous allez le voir dans quelques instants, c'est tourné en noir et blanc. Tout le monde a des chaînes. Puis à un moment donné, tout le monde est content. Tout le monde est en couleur. Plus de chaînes et en couleur. Connais. Oui, exactement. Quand on le connaît, c'est sûr. Mais c'est quand même le fun que vous ayez pris le temps de démontrer ce côté-là parce que nous, on pense tout le temps que quand tu étais intimidé, solide, tu t'en sors jamais. Il y en a qui s'en sortent pas, malheureusement. Mais nous, on a essayé de donner des solutions. Puis c'est ça, la vidéo parle de lui-même. Parle-moi, Aero 9, tu les as rencontrés de quelle façon? Aero 9, qu'ils font du rock un peu différent du tien. Oui, c'est là. Du rock plus c'est corporate. C'est très solide, là. Oui, c'est ça. En fait, Glenn Robinson, le réalisateur qui travaille souvent au studio chez moi, avait amené ces jeunes-là faire un album il y a à peu près un an et demi. Et puis, dernièrement, ils m'ont approché. Ils ont dit, veux-tu nous aider à traduire la chanson? On aimerait faire quelque chose pour le Québec parce qu'ils tournent plus aux États-Unis. OK. Fait que je dis, ben oui. Puis là, en traduisant la chanson, bon, j'ai donné ce sens-là avec l'idée de soulever l'intimidation. Puis là, finalement, en studio, chez nous, ben j'ai chanté un peu les idées que j'avais. Puis ils ont aimé ça, puis on a chanté ensemble. Et là, a découlé le projet du clip. Est-ce que ça t'a sorti de ta zone de confort d'avoir des nouveaux musiciens? Parce que t'es un gars qui a la même gang depuis longtemps, toi, là. Là, t'avais une gang de genoux qui torchent en passant. Pas que ça brasse un peu la chanson. Un peu plus moderne. Oui, exactement. Mais comment c'était pour jeunes toi? Vraiment cool, tu sais. Puis c'est tout là que ça s'est passé, en fait. Et on a en studio connecté tout de suite. Puis j'ai même fait un spectacle la semaine passée avec eux. Puis on est allé faire la toune live. Puis j'avoue que c'est pas dans mon registre habituel, cette toune-là, mais ça m'a fait bien plaisir de participer. Ça donne un résultat très intéressant. Tu restes avec nous parce que tantôt, tu nous fais deux chansons d'ici à la fin de l'émission. Mais on va aller voir ta contribution contre l'intimidation et pour le courage. Ça, c'est important, il faut le souligner. C'est avec Aero 9. La chanson s'appelle « Oxygène ». Endormi, mais il reste là. Je ne
efface les moments gris. Je respire à nouveau. Hallucinogène, oxygène, tu coules dans mes...